Pouvez-vous nous donner l'explication des différents tableaux que nous venons de voir? Au début, il y a eu un prologue. Au prologue, nous avons vu des paniers. Les paniers, comme le thème le dit, c'est la délivrance. La délivrance, vous savez que, si je répète ce qui a été dit dans le programme du CCF, c'est quelqu'un qui en a marre avec le us et coutume, qui veut une délivrance, en plus une nation égarée dans les propres idéologies. Donc ici, les paniers symbolisent un peu la prison. Voyez-vous, quelqu'un, il ne sait pas qu'il se trouve dans une prison, malgré tout ce qu'il fait, voyez-vous, mais il ne peut pas. C'est comme si rien ne tourne rond dans sa vie. Tout à l'heure, vous avez vu quelqu'un avec un fil. C'est comme vous attachez une chèvre. Ouais, la chèvre ne sait pas si elle a une corde. En broutant l'herbe, après, il comprend que son trajet est très, très court, il revient. C'est comme l'acteur que vous avez vu sur scène. Donc, il ne sait pas qu'il est, il est attaché dans le us et coutume ou dans un principe quelconque. Il vient et quelque part, ça ne marche pas. Il tombe, il repart. Ça, en gros, la pièce. Maintenant, nous sommes passés la deuxième partie. On a essayé d'élucider la vie de quelqu'un qui vit dans les blocages. Vous avez vu? Tout ce qu'il fait. Donc, les tableaux ici représentent une personne, parfois deux personnes. Parfois, ils sont à trois, mais ça ressemble à une seule chose. Donc, dans la vie, vous avez compris, quelqu'un peut faire quelque chose seul. Seul, il commence à faire, ça ne tient pas, il va avec son ami. Les deux, ça ne tient pas, il essaie en groupe. En groupe, il s'éparpille. Voyez-vous, tellement vous avez vu l'oiseau. L'oiseau ici a beaucoup de signification. Ça peut être l'avion, il voulait voyager, mais il repart toujours à zéro. Il s'écroule. Voyez-vous, donc c'est en gros ce que je voulais dire, la pièce. Et en plus, vous avez senti la délivrance. Après, la musique a cessé. Ça veut dire que quelqu'un a eu marre de vivre dans cette vie. Bon, la musique peut ressembler quoi? Les bruits, les camions, les oiseaux, etc., etc., tout le mouvement de la vie. Maintenant, il a eu marre, il a eu de changer la vie. Pour changer la vie, il a fallu repartir un peu à zéro. Vous avez vu celui qui était devant? Celui qui est devant, lui, il prend le rôle soit de la nature, soit de Dieu, parce que tout ce que nous faisons, la nature nous regarde. La nature nous donne une certaine puissance. Il nous a donné son souffle. Après, la nature nous a regardés, mais puisqu'on veut revenir à zéro vers lui, il nous pardonne, il nous donne encore un souffle. En ce moment-là, il nous reconnaît, il vous délivre et vous changez d'habit. Voilà. Nous voulons connaître l'impact justement de ce spectacle sur la population de Pointe-Noire. Quel est le message que vous voulez délivrer justement? Bon, le message, voyez-vous, pas seulement de Pointe-Noire, mais je peux dire de l'Afrique. Vous savez que ici, tel qu'il a été dit dans le programme, chacun de nous a un principe dans sa vie. Chacun de nous a une idéologie, sa façon de vivre. Parfois, cette façon de vivre ne lui fait pas avancer. À un certain moment, il va reculer pour chercher la délivrance. Vous savez, ici, nous sommes des Africains. Hein, la profondeur de l'esprit de la création. Nous sommes des Africains. Les us et coutumes nous amènent, par exemple, dans les guerres. Quand je dis, chez nous, chez les Dono, nous faisons ceci. Chez nous, chez les Moshi, nous faisons ceci. Chez nous, chez les Bémé, nous faisons ceci. Voyez-vous, ça, c'est les coutumes. Et les coutumes, qu'est-ce que ça mène après? La discordance. Voyez-vous, c'est le message. Donc, cherchant une délivrance, pour ceux qui prient, c'est bon. Pour qu'ils peuvent chercher une délivrance à une autre manière, c'est bon pour tout le pays et pour toute la nation. Vous avez vu, Pointe-Noire, il n'y a eu rien. Mais nous faisons des efforts. Donc, ce que nous avons fait, c'est notre façon de donner le message. Nous n'avons pas d'autre moyen. Nous sommes des danseurs, nous sommes des percussionnistes. Ça, c'est notre façon d'exprimer. Voilà, quelle est la source d'inspiration de toutes ces chorégraphies?
Vraiment, ce que je peux vous dire, si vous avez suivi l'explication de Jean-Franck Kongwala, mon collaborateur, ça nous a pris beaucoup de temps pour avoir ce genre d'inspiration. Bon, car en fait, pour l'exploiter, il fallait, c'est presque toute une gymnastique. Pour l'or, on n'a pas encore exploité ça. Cette imagination, cette inspiration que j'ai eue, c'est en regardant plus précisément la majorité des spectacles du pays, à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays. Bon, c'est ça qui m'a poussé. Mais pourquoi seulement les autres? Pourquoi c'est seulement, tu vois, les autres qui reviennent de l'extérieur du pays, en tant que nous-mêmes, nous pouvons très bien exploiter ce que nous avons actuellement? Bon, je me suis dit, bon, écoutez, on va essayer de faire quelque chose de bon avec le peuple congolais pour montrer quand même à l'Afrique que oui, il y a un pays qui est... bon, disons qu'on te dit, le Congo est toujours caché dans l'art. Bon, nous, on veut vraiment, quelque chose, voilà, quelque chose comme les autres. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce défi parce que ce genre d'inspiration, je vous l'assure, c'est grand. C'est grand, on n'a jamais vu. Parce que moi, j'ai eu contact avec les deux danseurs burkinabés. Il y a Salia Niseidou, en plus, Sanon, qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup enseigné sur la danse contemporaine aussi. Il y a aussi le conseil de Germaine Akoni, hein, celle Irenta Sebedo aussi, qui est passée lors de son passage avec Wakati, qui m'a beaucoup enseigné aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, tout machin, et puis ça m'a beaucoup inspiré. Okay. Voilà. Mais ça m'a mis beaucoup de temps hein, pour réaliser tout ça. C'est, comme vous voyez, c'est un pari. C'est un pari, voilà. C'est un pari. D'accord. Audacieux. C'est rare. D'accord. Mais pour l'instant, ça ne fait que commencer. Merci. Merci. Thank you.